Voici donc une introduction au cours de statistiques de troisième. Les statistiques, elles inondent nos informations, les médias, la télévision, les journaux, avec beaucoup de graphiques, beaucoup d'analyses, des sondages, des courbes et beaucoup d'informations au quotidien. L'objectif de ce chapitre est donc de donner quelques bases à cette partie des mathématiques. Première chose, la définition, les statistiques sont en fait la partie des mathématiques qui a pour objet, à partir d'observations relatives à une population, de faire trois choses. La collecte des données, leur traitement et enfin leur interprétation. Pour comprendre ces trois parties des statistiques, on va prendre un exemple. Admettons qu'on veuille étudier le nombre d'écrans au domicile de chaque élève de votre classe. La population qu'on va étudier ici, c'est-à-dire la personne à qui va s'adresser notre enquête, c'est clairement les élèves. Le caractère que nous allons étudier, ce que nous allons demander à chacun de ces élèves, c'est le nombre d'écrans à son domicile, donc le caractère étudié ici, c'est le nombre d'écrans. Ces deux éléments-là sont systématiquement à bien avoir en tête lorsqu'on va faire une étude statistique. On va étudier une population, et sur cette population, on va s'intéresser à un caractère. Par exemple, pour réaliser cette étude statistique, on va donc collecter des données, demander à tous les élèves, un par un, le nombre d'écrans qu'ils ont à leur domicile. On va traiter toutes les données, faire des tableaux, des courbes, faire calculer des moyennes et tout ce qu'on veut. Et enfin, interpréter, rendre un rapport, un compte-rendu, faire une présentation quelconque devant la classe, pourquoi pas présenter les résultats par rapport à une autre classe, un autre établissement, etc. Il y a donc clairement trois parties, la collecte, le traitement et l'interprétation. Ce qui va nous intéresser, à un autre niveau, ce n'est pas la collecte, qui est un petit peu technique, mais plutôt le traitement des données et leur interprétation. Et pour montrer l'importance du traitement et de l'interprétation, je propose un deuxième exemple. Imaginons un élève qui a eu deux notes dans une matière, un 2 puis un 18. La collecte des données est assez rapide. La population étudiée, c'est clairement l'élève. Le caractère étudié, ce sont ses notes. La collecte des données, facile, 2 et 18. Pour les traiter, ces données, il y a plusieurs façons. Imaginons, premier traitement, quelqu'un qui calcule la moyenne. L'élève a eu un 2 puis un 18. Au total, cela fait 10 de moyenne, ce qui amènerait à une interprétation d'un élève moyen. Autre traitement, traitement numéro 2, quelqu'un qui ferait un graphique. La note, on commence à un 2, on passe à un 18, on voit une forte évolution et l'interprétation ici amène un élève en grand progrès. Troisième traitement, je passe note extrême 18, 2, un écart, on parlera d'étendue en statistique, est de 16 points entre les deux notes. Il y a donc une très grande dispersion et on pourrait interpréter un élève très irrégulier. Trois traitements de données différents, trois interprétations différentes. En conclusion, ces trois traitements qui ont été faits sont chacun justes. Chacun s'appuie sur un outil statistique très précis, la moyenne, le graphique et l'étendue, mais ils amènent à des interprétations différentes. L'objet du chapitre est donc de nous donner des outils et une méthode pour traiter au mieux les données et les interpréter avec un maximum de rigueur.